Eh bien, salut. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour la nouvelle route que j'ai envie de vous dire, qui est assez longue. Donc, j'avais déjà prévu tout ça, ce qui est génial. Je vois qu'on parle à un moment là. Je sais pas. Ouais, bref. En fait, on va faire de Paris jusqu'en Slovaquie. Donc, je ne sais pas si le record va être battu. Est-ce que je vais réussir à faire un live et faire jusqu'à cette route? Je me pose bien la question. Donc, c'est alors. Déjà, ça commence bien. C'est que je me suis trompée sur la route. Donc, on va passer en temps mort. Le clignotant. Ah, je passerai pas. Passe. J'ai vu qu'il y a des gens qui voulaient que je prenne un petit live sur ça. Un goût, c'est de la merde. Ah, je me suis niqué ma race. Donc, alors, on va parler de Quoi de beau Paris. aujourd'hui? Bon. En mode pas grand chose parce que ça je sais pas si vous en envoyez vous Mettez un plusieurs, j'espère pas si c'est le cas. Donc la route, on a 26 heures de route à faire. Aujourd'hui j'ai pas mis de gel, c'est normal, on est Louisiane. Je vais laisser mes cheveux pour lundi. Je suis bien coiffée. Allez hop, on accélère du coup. Bon, en fait, je double, mais qu'en fait, c'est pour aller déjà un peu plus vite. Parce que si on va pas plus vite, je vais pas une mesure. Angoutte me fait ramer Eurotruck. Alors, je vais répondre à toutes plein de petites questions. Et comme ça, j'y répondrai avec grande joie. Alors, est-ce que Eurotruck et les camions, c'est ta passion? Alors, Eurotruck et les camions, c'est ta passion. Alors, Eurotruck, non. Enfin, c'est dans le... J'arriverai pas à jouer. Ça lag à mort. Ah là là, arrête, arrête, c'est pas bien. Lag, c'est quoi ce bazar? Ça lag, mon gars, ça lag! C'est quoi ce bruit? J'avais même plus à jouer parce que l'automne. Je voulais vous dire quoi déjà? Je sais même plus. Est-ce que Euro Truck c'est simple? Bon, alors déjà, j'ai pas donné la première question. Donc, Euro Truck, non, c'est pas ma passion. Si c'est la passion, passe. Alors non, Eurotruck, c'est pas ma passion. Je le répète encore une fois. Je crois que c'est là qu'ils m'ont fait tapabillage. J'ai swap ou pas? Ouais, j'ai swap. On pas des piments, on tape que des chassés croisés. À vrai dire, Eurotruck, c'est pas ma... Putain, mais c'est qui m'a dit comme ça? C'est qui déjà? C'est Willy la baleine. Eurotruck, c'est pas ma passion. Alors, pourquoi je joue à Eurotruck? Alors, ça a commencé tout d'abord au mois de janvier. Tout au mois de décembre. Donc, j'ai commencé à jouer à Eurotruck. Et puis, au fil des jours, j'ai vu que on avait pas mal de choses entre moi et Eurotruck. Oui, c'est oui. Oh, mais arrête, c'est chiant, putain. Pas écrire, oui. Donc, il y a eu des liens qui sont formés.
Et au fil des jours, sans mentir, c'est que. Crème, ça passe à crème. Ah, ça m'a niqué, tiens, mais pas l'arme. Ça, c'est marrant, ça. Ouais, il a changé la fréquence de radio. Ah, t'es chiant avec ça, sérieux. Eh, mais ça rame! Connexion de merde, là, putain. Oh my god. C'est une connexion de merde que j'ai. Je vous le félicite pas. Ce qui me fait rire. Donc, je joue en ligne. Enfin, sur un serveur, quoi. Je suis peut-être pas célèbre, mais je suis quand même con pour le dire. Parce que. Tiens, allez, allez, allez. Laisse-moi pas passer, surtout Bernard. Vas-y, vas-y. Surtout, je te laisse. Ouais, bah oui, surtout. Laisse-moi passer. Ensuite, tu passeras sur ta gauche. Hein? Voilà. Donc là, le mec, je vous le dis complètement, il essaie de faire le malin, mais il n'y arrivera pas à passer. C'est con. Hein? Voilà. Alors. Donc. Alors aussi, ce qui est chiant, c'est que je suis encore chez ma mère et ça devient chiant. Parce que vous savez, quand je tourne une vidéo, elle se croit intéressante, vous voyez? Mais elle s'y connaît rien. Elle s'y connaît rien. Alors, je rame, ça éclate. Voilà, donc heureusement que c'est pas ma passion. C'est vraiment pour la passion des camions, je fais ça. Donc la passion de la simulation. J'aime bien conduire. Par contre, ça se voit quand je suis fatiguée, je ralentis de vitesse. Par contre, quand ça rame, ça m'énerve. Vas-y, rame! Rame, vas-y, tue-toi, vas-y. Ah, vas-y, je te dirai rien, Bernard, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça va plus. J'ai lâché la main, c'est bon, voilà, je me touche la tête. Non, mais là, c'est grave, là, c'est la paranoïa totale. Sarah, mais à mort. J'en ai pas su. Ah, ça y est, ça fait un drôle. Alors, avec le canon que je conduis, c'est un DAF XF06. Pas dans une ville. 3D. Ah, pas bête, je vais le faire. Oui, chef, tout de suite. Sarah. Et j'en ai marre que ça rame parce que ça me saoule! Je jure que tu me saoules là. Je passe à la crème de juif, ton. Il n'a que 16 ans et je joue. Donc, j'ai que 16 ans et je joue. Trop fort. Rue de Portier. Voilà. Alors, DAF, c'était pas ta marque préférée, donc ouais, je sais que voilà. DAF. Mais DAF est devenue une marque très célèbre maintenant. Je trouve que c'est une fois plus confortable, quoi. Bon, y a rien à découvrir, hein, tu peux faire. Donc, on va passer par là. Hein. Ça rame, bah écoute, on va se dire là parce que moi j'en ai marre, ça rame. Je vais pas redémarrer. Vas-y, vas-y. Passe. Prenne pas. Putain, le con, lui, il est pas fané. Ça rame, j'en ai marre, ça rame. On va jouer comme ça, ok. On va refaire le démarrage. Je suis désolée. C'est pas possible, mais ça rame. J'attends sagement. Hein. Alors, quand je vais s'éteindre, ça met 4 ans à démarrer. C'est génial. On va attendre, on va mettre ça.
Non, moi, je suis pas assistante sociale, désolée. Après, alors, je vais déjà répondre aux questions et comme ça sera déjà fait. Et après, je peux répondre. Attends. Bon. Après, vous avez deux techniques à jouer avec l'autre. Vous avez la technique de jouer comme un blédard, c'est-à-dire jouer comme un connard, un bouffon, comme vous voulez. Et vous avez la technique de se la couler douce. Moi, la technique, c'est les deux blédards, couler douce. Là, mon canon, il est super puissant. Donc là, je vous le dis, je vous le garantis. Je passe même pas la première, elle commence déjà à foncer direct. Je suis déjà arrivé à 15 km/h, quoi. C'est un canon qui roule super bien vite. J'espère d'avoir mes, je les ai en face de moi, mes jambes Goodyear. Parce que là, enfin mes pneus Goodyear et mes jambes Goodyear. Parce que ça va être un camion après tuning. Voilà. Ceux qui veulent savoir, et ben vous le savez. Voilà. J'ai fait. Au niveau de la banque. Solde bancaire. Ah oui, ok, j'ai toujours jamais compris. Et mon solde bancaire, c'était 26 000. Ok, félicitations, on t'applaudit. Alors, Euro Truck, après, c'est devenu une grosse drogue pour moi. Parce que je me suis habituée à Euro Truck, j'ai vie Euro Truck et je vis dans mes camions. Voilà, ça c'est vraiment. Toujours. En fait, la vérité, c'est que c'est quand je joue. Euro Truck, ça rame. Je l'ai raté celui-là. Qu'est-ce qui se passe? What? Je suis plus. Ah voilà, bah oui, ça a cassé. Et Julien? On n'a plus de Julien aussi, d'abord. Ah bah, je suis très bien avec ma copine, hein. Ça, comme casse la couille. J'ai plus de nom de Julien. Il est reparti, Julien. Et Julien est parti, Julien para, il est parti, le Julien. Bon, tu me feras signe quand même. La radio. Ah, oh, putain, je mets la radio, il va me faire chier. Lui. Lui, il ne m'envoie même plus de message. Ouais, il ne t'envoie plus de message. Ok. Là, il a là. Désolée si je suis encore sur Facebook. Je prends du retard. What? Commentez votre statut. Quoi donc? Putain, j'attends. T'attends quoi? Une gifle pour te faire. Les gens, ils me font tout chier. Je me fais passer pour Julien, non mais n'importe quoi. N'importe quoi, là on touche tout ça parce que l'autre il répond pas. Alors, passe à la crème. Ah,
La musique, j'adore. Non. C'est lui qui me parle et je réponds. Désolée, mon ami, je te laisse passer. Tu recules? Je suis à 90. Ah ben bah j'ai plus qu'à tourner. Bon bah si il faut. Stop, stop, stop. Tiens, là, il a les fonds. Alors. Pourquoi? Ah, là, suite. Qui la meuf? Je la connais pas. Non mais là c'est le même meilleur, mais je m'arrête pas, non mais oh. Ah mais je m'arrête pas, je m'en bats les couilles, tu vas peut-être me passer dans rien, je m'en bats les couilles. Attends. Vraiment, je peux me passer. Pendant ça, je vais prendre ça. Ok, va, veux la suite à la meuf, hein? Tu veux la suite? Eh, je passe. Je passe! Caray. Alors, c'est parti, les amis, on y va, let's go. Là, il est 16h19, donc on va pas arriver avant demain matin, je crois, dans l'après-midi ou dans la soirée. Je me suis pas trompé. Alors, onzième. Après, moi, je dis, c'est la merde quand ça roule sur le pot. Es-tu capable, parce que la question a été posée, es-tu capable de conduire sans tes mains? Alors, la question est débile. Ouais, je peux conduire. Les mains, voilà, elles sont levées. Par contre, il faut juste que je lâche pas longtemps, parce que si je peux me foutre dedans. Si le camion, je peux pas. Le camion, ça se perd très très vite.
Il y a des boss, putain. Combien? Alors, le camion, combien je l'ai acheté? Alors, le camion, je l'ai acheté. Je sais plus quoi je vais vous le dire maintenant. Est-ce que je peux te le dire maintenant? Vendeur de camion. Daf. Ah, je peux pas. Je l'ai acheté, je sais plus. Il devait être dans les prix. Pas moi, il devait être dans les prix de 1000, 1200. Non, c'est des commandes. Je devais être dans les prix parce que je l'avais acheté. J'avais revendu mon Evoque Australis. Il devait être dans les prix, je sais pas comment vous le dire, 90 000, un truc comme ça, je crois. C'est un canon. Très très bien foutu. On ne remarque pas que c'est un neuf. Par contre, tu rentres à l'intérieur, c'est bon. Alors, est-ce que quand je ne jouerai plus à Retrouvec, est-ce que je vais leur non. Le canon finira dans mon garage. Il finira dans mon garage, le petit canon. Alors, est-ce que je me suis arrêté pendant l'heure? Je ne me suis jamais arrêté pendant l'heure. Je suis un compteur. Jamais s'arrêter. Par contre, en vrai, je suis fatiguée, ça se remarque pas. Ben. Vas-tu t'arrêter alors? Est-ce que je vais m'arrêter un jour sur ma chaîne? Non, je ne vais pas m'arrêter. Parce que je compte continuer jusqu'à 30 millions de vidéos, à me dire. Le projet annoncé. Non, j'ai besoin de faire le plan. Par contre, j'ai fait une connerie. Attends, je peux plus m'arrêter, quoi. Qui m'a envoyé un message, les gars? Comment ça? Eh ben, dis donc, je m'en fous, je ne connais pas. Un a pété. J'en ai rien à péter, bonne expression. Donc, pour ceux et celles, enfin ceux ou celles, il y a des filles qui jouent à Eurotruck. Parce que j'ai déjà une collègue qui travaille. N'importe quoi ce qu'ils font. Excusez-moi si je vais répondre sur Facebook en même temps. Est-ce que je compte en faire mon métier? Ouais, je compte en faire mon métier, je rigole pas, c'est vrai. Donc, ceux qui veulent le prendre pas au sérieux, hein. Par contre, moi, je ne serais pas comme ça. Allez, je tente. Tiens, je te bats. C'est ce qu'il y a, non? Ouais, c'est ce qu'il y a. Il y a tellement on en a des temps, ce cagnard. Je suis désolée, hein, mon daf, il se lève comme la merde. Hein. C'est qui ton seul?
Merde, 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 merde. Je cherche pas trop. Il est con. Est-ce que je joue en ultime? Non. Je joue plus en ultime. Parce que, en fait, Didier arrête le Eurotruck. Et ce petit con, il a arrêté Eurotruck, donc maintenant j'ai plus de jeu. Donc, il y a le truc qui. Donc, on voulait juste amuser tous les deux. Avec Pupu, là, Pupu il est toujours, mais moi je ne joue pas avec Pupu. Pupu, on ne sait pas combien. Hop! Ta maman. La touche à Renard. Es-tu habitué donc à la route? Ouais, j'en suis un habitué. Et je fais pas pareil. J'en ai vraiment aussi. Toujours. Puis voilà, moi, mon truc, bon, c'est une petite occupation. Comparé au jeu Xbox, maintenant, je suis moins concentré à ça. J'étais un geek avant, et maintenant, non. Je suis plus un joueur de Euro Truck que Minecraft. Qu'après, qu'on me dise, écoute, mon ami, j'ai pas grand-chose à te dire. Hein. Parce que les comptes conduites sont pas donnés de ma part. Moi, j'en faisais avant, ça remontait à moins de juin. Juin, mai, je crois, je sais plus, une période comme ça. J'en donnais, j'ai fait une vidéo sur ça. Après, ça m'a tourné, j'ai préféré attendre. En plus, je donnais des cours de conduite à des bolos. Excusez-moi du terme, je donnais des conduites à des cons de bolos. Des mecs qui en avaient rien à foutre, maintenant ils deviennent des gros chauffards à la merde. Je vous promets, l'autre fois j'en ai vu un, j'ai dit putain, mais je connais, mais là, moi qui n'ai pas répondu, comment on conduisait comme une merde quoi. Ils zigzaguaient, mais comme de la merde quoi. J'ai dit putain, mais tu quoi? Je t'ai appris à conduire, là, t'es sérieux ce que tu me fais? Bah voilà, remerciement. Alors, j'ai donné tout le monde. Quand je joue tout le monde, moi je conduis, parce qu'il y en a, ils jouent tout le monde, et ils font que des actes, moi je joue tout le monde. Parce que je suis habituée à conduire des jeux de course, non, c'est pas ça. J'ai les yeux pour. J'ai les yeux qui suivent. Par contre, quand ça va trop vite, il y en a plus. Donc, What? D'accord, là, il y a un message, ça rame. Bon, bah, je cherche pas le volant parce que je ne sais plus. Ça rame, sa mère. Quoi d'autre à dire, mon ami? Alors, en tout cas, sur ma chaîne, j'ai pas regardé, mais je vais regarder ça. Ma chaîne. C'est 178, d'accord. Hello, comme promis. Le live, allez, vous aimez? Je m'en pense à 4 ans. Ah non, je suis en vrai, putain. On va regarder juste. Ah, Hugo. Ah, Hugo aussi, hein. Ah, ok. Ok, live stream sur GTA 5. Ok. Génial, mon ami. Alors, moi je vous préviens, ça va être un live qui va être très très long. Très très long, pardon. Ah non, c'est ce que je serais mal parce que j'ai de la main de les jouer, les amis. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, ce que j'ai pas dit encore, la partie c'est pas la mienne, ça c'est celle à mon frère. Et j'ai vraiment pété de la thune, quoi. J'ai moyen de retourner sur mon partie. Ça fait bien. Est-ce que tu fais des lives avec mes amis? Non, j'en fais pas parce que je n'aime pas. Je préfère les faire tout seul.
Pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Oh là, oh là, oh là. Mais je crois même que ce camion-là, c'est pire qu'un Scania. Hein. C'est une bête de tonnerre. C'est de la merde, quoi. Alors, je vais juste répondre. Désolée, je te parlais comme ça, mais maintenant, je parle plus. Va-t-on chercher des sortants encore? Donc les amis, il est 18h35 déjà dans le jeu. Enfin, il va être 18h35, j'espère pas. Il est 17h16. Oh, le message. Ok. Ça fait plus mal, ça me fait plus rien. Oh. Mama. On va aller sur la main. Est-ce que je peux arriver à t'en rendre? Ah non, je crois pas, non. Pour faire une longue route, il faut au moins mettre l'heure qu'il faut, quoi. Moi, je mets pas l'heure qu'il faut parce que je suis un malade, moi, dans les courses. J'arrive comme un gros con dans les virages, je pense comme un malade. Mais après l'arrivée du village, ça suit pas. Hein. Par contre, voilà, juste une petite pause parce qu'après le camion, je crois. Allez, vous imaginez, vous êtes là? Vous êtes au milieu de la route? Regardez! En fait, ça fait ce bruit-là, en fait. Mais là, tu te dégaines les tympans, mais là, alors qui suis quoi? En plus, t'as les voitures qui arrivent. T'as le camion qui arrive à d'Alex. Ouais, c'est chaud à J'imaginerais bien les délires comme ça. Alors, sur le périph' de Paris, non. Sur le boulevard où je suis, c'est mort, hein, je vous le garantis, dès vendredi. Vous niquez tout le monde hein, sur le boulevard, quoi. Vous êtes bouché. T'as comme. Avec le haut du klaxon. Ça fait trop mal. Bon, après, par contre, je vous conseille, hein, si vous passez pas, hein, c'est pas de ma faute. Alors, hop, tac, tac, tac. Ah merde, salaud là. Ah, vous savez que ça fait le même bruit, hein? Vous en avez. T'as la remorque qui te passe dessus. Oh, tu te passes dedans. Et tu vois là. Ah, ce live-là, il va me tuer, je crois. Il va me faire trop rire. Quand je vais le regarder, je vais dire, attends, mais je fais un live de malade, quoi. Attends, juste regarder. M'envoyer un message. Maintenant, je parle plus. Je parle avec Julien pour rigoler. Ok. Alors ça fait du bien d'être de faire une petite vidéo avec vous parce que je vais m'écraser si passe pas putain moi je passe pas vas-tu rajouter des modes non je sais pas je ne rajouterai pas de modes passe accélère accélère putain espèce de trou du cul je vais devoir freiner tadadadam. Ah super les lentes. Bon bah lundi les amis on reprend les cours, hein? Fini le stage. Ouais, nickel. Ouais. Regarde-moi. Patamatsa, et voilà! C'est qui le mec là? Ça sans ce mec. Il est vraiment taré ce mec. Hein. Mec il passe, alors vous avez la voiture. Quand la voiture passe, le mec, il commence à foncer, mais fou. Le mec il a même pas tant regardé, il fait. Oh mon dieu! Il est passé! Eh ben non, je suis pas passé! Dans ton cul! Ah là là. C'est trop con.
Voilà. Ce qu'il faut pas faire. En vrai, je vous promets, si vous faites ça, vous mangez une triple amande, quoi. Alors, le seul bémol avec ce camion-là, il est économique. Au niveau du bruit, et il est très très silencieux. Par contre, un truc, c'est qu'il bouffe de l'essence. Alors là, la journée, vous n'avez plus d'essence, quoi. Moi, je suis bientôt au pas au fond du réservoir, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai pris Scania trop plein, je passe 5 minutes, enfin, toutes les secondes à passer, à prendre de l'essence. Oh, je sais pas si on s'en rend compte. Là, il y a des économies à faire. Enfin, qui sont faites, quoi. Alors là, je roule à 130 km/h. Ça fait penser à Taxi 4. Taxi 5, plus tard. Pfff, c'est un camion, attends. Vas-y, c'est bon. La classe. Non, et puis, si j'abandonne YouTube, je n'abandonne pas Eurotrack. Vous savez que Eurotrack fait partie de YouTube chez moi. En fait, c'est plus la chaîne Spécial Gaming, en fait. C'est que Eurotrack. Faites attention, ça va les couilles. Il y a des choses qui vont changer, je crois, sur ma chaîne bientôt. Je dis ça, je veux dire. Allez, c'est bien. Alors, je fais plus les indiens sur la route, hein. Je passe à 120 gagner à fond. J'imagine, il y a personne qui arrive. Là, tu fais. Boum. Bon, bah, ciao, hein, à plus. Alors, les amis, il est 20h19. Donc, nous ne sommes toujours pas arrivés. J'essaye tant bien que mal. Je vais faire mon plus vite. Moi, je préfère quand j'ai mon camion parce que avec mon camion, on fait des voyages, quoi. Tu pars à Londres, tu pars en Slovaquie, là, je pars en Slovaquie. Je crois que je suis loin, c'est bien. Mais alors, c'est quoi? Ok. Ah non, putain, il m'a redappelé encore. Ou s'il nous revient. Ah, j'aime bien qu'il craque. Et puis avec ce camion-là, je l'adore parce que il est contrôlable. Ça, je le regarde pas, il est contrôlable, il est très très bien. Et puis, je vais m'arrêter, c'était pour... Enfin, je vais m'arrêter, ouais, aussi, parce que je vais voir... Ah, attendez, je vais voir un truc. Et je sais pas si j'ai la banque, de la thune, même pas. C'est con. Je déteste. C'est des merdes. Des petites bâtardes, des salopes. Bande de pute. Ah. Parce que mon camion, il est beau comme il est un très beau camion bleu. Je n'en reviendrai jamais. Voilà, bon, voilà, on a ça, tac, tac, tac. Est-ce que faut que je mette la cale dessus. Oh, on va pas avoir les néons. Putain. Ça veut dire si je mets ça, je vais pas les avoir. Ah ouais, non, mais là, c'est de la triche, quoi. Parce qu'il y a que sur Iveco. Vous regardez, je suis pas tout seul. Ah ouais. Ah, c'est con, ça. Et sur Iveco, XF, on... Ah, il l'a, lui. Oh, lui, là, il nous l'a pas. Oh, les salauds. C'est pas sûr que Scania, il l'a pas, non? Ah, ils ont pas tous les mêmes pots. Ah, Scania, ils l'ont. Ah, non, mais ça, c'est de la triche totale. Moi, je trouve ça non, pas normal, quoi. Scania est long, Volvo long, je crois. Voilà. Ah, c'était nouveau aussi. Alors, attendez, je vais regarder. En fait, mon pot d'échappement que j'ai pris. C'est pas ce pot-là. C'est ce pot-là.
Genre le putain de pot. Et après, je me prendrai celui à triple XFF. Et qu'après, je me ferai mes putains de jantes. Hein. Le ratio est très bon, quand même. Donc, ça m'a coûté une fortune à former ça. Et pourquoi je ne mets pas l'auto-centrage là, non? Parce que je trouve que c'est de la merde. Est-ce que je suis contente de reprendre? Non, je suis pas contente, j'étais mieux en stage. Ouais, peut-être moins bien aussi. C'est surtout bien chez moi, ouais. Donc voilà. Et là, il est 20h55. Il nous reste plus que 18 heures de route à faire. Donc là, en gros, on a passé. Normalement, bah on a fait. De... On est passé sur l'île. Là, on a passé à Kassel. À Kassel. À Karlsruhe. Voilà, on va bientôt passer à Kassel. Erfurt. Je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave, on va jouer comme ça. Et qu'après, Dresden. Ah, le petit con. Bah là c'est pas grave, on va devoir passer. Ah le petit con m'a fait passer son nom, j'aime pas. D'accord, bon bah c'est pas grave, on va passer par. Donc là on va passer par là. Hop, tac, 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 tac. Donc on va passer par là. Après nous on va être obligé de passer par Dresden. Là c'est par Praha. On va passer par la direct. Non même pas. On va passer par la nationale. Tac. On a passé. Ah putain de merde, on va pas passer par là. Parce que là on va se taper des radars. Ok. Bon, en fait, on continue. Hop, hop, national. Hop, tac, 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 tac. On arrive. Hop, on passe les péages. On repasse à national. Et on arrive à cause office. C'est-à-dire qu'on arrive à Slovaquie. 134 km, c'est un camion de malade que j'ai. Voilà. Donc, c'est sympa, quoi. Je trouve que c'est un beau camion. Oh, niveau des camions, c'est celui que j'adore. Pour l'instant, c'est celui que. Celui que je rafale, c'est celui-là. Allez! Pour l'instant, c'est celui que je rafale. Il est un camion pour moi. Table, qui m'a envoyé un message? Et alors, j'aime bien parler avec lui, même si je pense. Quitte pas Facebook, s'il te plaît! Ah non, mais là, tu me fais tout sauter. J'ai pas envie qu'il fasse tout sauter, s'il te plaît. Je t'aime quand même, mais t'aimes ça. Ah, j'espère qu'on a un petit air de repos, enfin, juste que je regarde mes jantes. Mes jantes. Le bas. Mais vous savez que je peux mettre le petit nom. C'est pas ça. Ah, non, F4. Gyrophare, rampe sur le toit. Ça rentre sur la calandre, c'est quoi ce cercle? C'est les ah non, waouh, il est beau le canon! Oh putain, il est beau! Oh putain, oh my god! Oh les chiettes, j'ai jamais vu un canon, c'est comme ça. Bon, il y a juste le haut qu'à refaire, mais ah, le canon, il est super bon. Et je passe par là. Ah, je vais le mettre sur la chaîne direct dès que je finis. Ah, elle m'a pas dit, moi aussi, elle m'a pas dit. Je vais arriver tout le monde avec ça. Ils sont beaux mes feux. Ils sont très très beaux. Ouais, c'est bien foutu. Ah, il y a de la piqûre à tomber.
Ah bah c'est pas grave, fais tomber la pluie. Je vais tester la puissance. Les feux, ils éclairent de malade. Moi, je peux continuer à rouler, mais mes feux, ils éclairent comme de malade. Là, je trouve ça, c'est bien. Je trouve la 134. Wow. Oh là, une petite coupure. Waouh, wow, je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, j'ai eu une perte de contrôle. Oh putain, ma gueule, c'est con. Alors non, on va s'arrêter dans le parking parce que le vin va aller juste voir comment c'est bien fait. Bien fait même. J'ai pris une médecine. C'est vrai par contre. Oh my god. Oh putain, je l'ai pas déconné. Oh, c'est pas grave. Non, mais t'as craqué, hein. Parce que ça fait des gens. Oh putain, il est bon comme ça. Et si je le mets sans? Ah non, il est pas voleur. Allez, moi j'en veux plus. Allez, il se défend, mec, hein. Maman, c'est quoi ce bordel? Et ben voilà. Ah, je vous ai dit. C'est plus un camion, mais c'est un buzzer. Merde, nous on n'a pas fait des conneries en parlant de buzzer. Là, fallait peut-être que je me dis. Ah non, c'est la prochaine. Oh non, le troisième arrêt. Bon bah les amis, on va se quitter sur cette vidéo là. Je referai une deuxième petite vidéo ce soir comme promis. Allez, je vous dis à ce soir pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, ciao à tous.